L'Union motocycliste des Ardennes organisait le rallye surprise de printemps. 48 participants devaient parcourir une centaine de kilomètres. Nous avions la participation et le concours de la prévention routière en la personne du directeur départemental, le colonel Gilquin. Aux côtés des membres de l'UMA, on notait ceux du motoclub vaudois, ayant à leur tête leur président, M. Henri Courrier, et ceux de l'Union motocycliste de la Marne. Au cours des différents arrêts, les participants devaient répondre à un questionnaire d'ordre touristique et historique, participer aussi à des jeux d'adresse. Puis chacun passait à un petit test sur le code de la route. Vers 13h, les concurrents se retrouvaient à Bouvelmont pour le traditionnel repas dont la réputation de bonne ambiance n'est plus à faire. Classement, Jean-Claude Tourte remporte la coupe de la prévention routière, vainqueur du rallye Jean-Jacques Tourte, deuxième Michel Jourdan, troisième Jean-François Bredel, tous les quatre de l'Union motocycliste des Ardennes. Le Grass Track de Vouziers était organisé avec le concours du club Jeunesse sur le terrain de la Syrienne. Qu'est-ce que le Grass Track? Il s'agit de courses de vitesse en circuit fermé, sur prairie et d'un développé d'environ 300 mètres. Les coureurs utilisent des motos de tourisme améliorées ou des motos de cross. Ils doivent posséder une maîtrise parfaite pour mener à bien leur course et avoir ainsi accès au palmarès.
Je vous rappelle au passage que ces courses sur prairie ont été créées en Champagne par notre société et forment une excellente école de pilotage pour nos motocrossmen. Depuis quelques années, la Ligue de Champagne organise les épreuves de championnat. Au programme de cette journée, 12 courses, 3 manches pour les 50 cm3, pour les 175, une catégorie 250 junior et enfin la catégorie 250 senior. Le Grass Track de Vouziers était présidé par Miss Ardennes. L'épreuve était dotée des coupes de la ville de Vouziers, du club Jeunesse, de Slavia et des assurances Jean-Claude Moreau. Après la manifestation, coureurs et organisateurs étaient réunis à l'apéritif d'honneur offert par Berger et présidé par Miss Ardennes. Jean-François Bredel de l'UMA est vainqueur en 50 cm3. Le queue de Vitry-le-François reçoit la coupe du club jeunesse en catégorie 175. Chez les 250 juniors, c'est le coureur Lacave de l'UM Marne qui remporte la coupe Slavia. Et enfin, victoire incontestée du champion de Champagne, Yves Jourdan, en catégorie 250 seniors, qui se voit attribuer la coupe de la ville de Vouziers. Toujours pour un Grass Track organisé par l'Union Motocycliste des Ardennes, nous nous retrouvons maintenant sur la place du Bâti à Fumay. Deuxième organisation de l'UMA avec le concours du syndicat d'initiative de Vouziers. Vous assistez actuellement à la mise en place et à l'organisation du circuit, pose des barrières et 12 tonnes de paille nécessaires au tracé de la piste. Pour cette deuxième organisation du Grass Track de Fumay, nous n'avions malheureusement pas le soleil avec nous. La pluie ayant contrarié cette journée et amenant ainsi les fumaciens à bouder cette organisation sportive. Malgré tout, le succès sportif était là. L'attache des concurrents qui s'affrontèrent sur un circuit très gras dans les différentes courses était encore plus difficile. Thank you.
Parmi les engagés, il y avait un absent, Jean-Jacques Toup, qui était, lui, retenu par les épreuves officielles du championnat de France de motocross, où il sera en fin d'année classé 7e du classement général de ce championnat et 1er du Nord-Est. Nombreux furent les dérapages, les chutes, mais heureusement sans gravité. Un jeune du cru était au départ, Gérard Husson, qui s'est classé 9e. Gérard Husson participera cette année pour la première fois aux épreuves de motocross. Si nous parlions du classement de ce Grasstrack de fumée, pour nos coureurs de l'UMA, en catégorie 50, 3e le jeune Jean-François Bredel, 5e Yvon Mas, 6e Dominique Jaunet et 9e Gérard Husson. En catégorie 175, 1er René Lequeux de Vitry-le-François, 2e Yves Jourdan de l'UMA, 3e Alain Aran de l'UMA, 5e Gilbert Bourdet et 6e Marc Joly de l'UMA. En 250 cm3, Yves Jourdan se classe 2e et Gérard Guillaume se classe 3e. L'épreuve était patronnée par le journal L'Ardennais, la fonderie du Tonkin, les bières Slavia, l'optique Tournier de Revin, et comme dans toutes les organisations, l'apéritif Berger, au soir de l'organisation, récompensait organisateurs et coureurs. Souvent, les coureurs, après les courses, ont des difficultés pour le nettoyage de leur moto. À fumer, pas de problème, comme vous le voyez, et grâce au concours du centre de secours des sapeurs-pompiers, qui avait mis son puissant matériel à la disposition du parc des coureurs. Avant de quitter cette manifestation sportive par l'image, rappelons que notre délégué de l'UMA à fumer est Robert Sacré et qu'il s'est consacré pendant plusieurs jours à cette organisation et nous pouvons à nouveau lui adresser nos félicitations. Thank you.
Madame Badaud vient de remettre la coupe à René Lequeux de Vitry-le-François, grand vainqueur en catégorie 175 et 250 cm3. Yves Jourdan, deuxième, reçoit la coupe de Slavia. Monsieur Badaud, président du syndicat d'initiative, remet la coupe du SI à Yves Jourdan. L'insigne de l'UMA, gravé à même l'ardoise, est offert par le syndicat d'initiative représenté par Mademoiselle Badaud au président de l'UMA. Allô, allô, amis spectateurs, amis sportifs, bonjour. Nous voici réunis sur le circuit du Calvaire à Rumigny, organisation de l'Union motocycliste des Ardennes, avec le concours du comité local, Maître Beaufailly et Maurice Laporte. Cette épreuve compte pour le championnat de Champagne de Grasstrac avec la participation des représentants des clubs de Verzenay, Vitry-le-François, Reims, Soissons, Saint-Quentin, l'Union motocycliste de l'Aube, le motoclub au Marnay, et le motoclub d'Épernay. Bien sûr, nos coureurs de l'UMA en catégorie 50 cm3, 175, 250 juniors et 250 seniors. Et attention, dans quelques minutes, nous allons assister au départ de la catégorie 50 cm3. Messieurs les coureurs, préparez-vous. Je vous rappelle que cette épreuve est patronnée par le journal L'Union, les bières Slavia, Slavia la grande bière de l'Est, par l'apéritif Berger, l'Automobile Club Ardennais et la commune de Rumigny. Eh bien, c'était en effet le reportage du Grasstrac de Rumigny où nous organisions pour la quatrième année consécutive. Cette organisation est réalisée avec le précieux concours de Maître Beaufailly, de Maurice Laporte, sur le terrain du Calvaire. Terrain prêté par Monsieur et Madame Pierre Bouxin, agriculteurs à Rumigny. Il y a eu quelques chutes au circuit de Rumigny, mais chutes sans gravité. N'oublions pas que ce circuit est très rapide.
Le classement de cette journée, en 50 cm cubes, victoire de Viam Lequeux de Vitry-le-François, deuxième Marc Joly, troisième Bredel Jean-François de l'UMA, quatrième René Lequeux Vitry-François, cinquième Aran de l'UMA. En catégorie 175 cm cubes, victoire de Yves Jourdan de l'UMA, deuxième Marc Joly, toujours de l'Union Motocycliste des Ardennes, troisième Alain Aran de l'UMA. En catégorie 250 junior, victoire de Noël Lacave de l'Union Motocycliste de la Marne, Gérard Guillaume de l'UMA s'est classé troisième et Lucien Villem quatrième. Chez les seniors 250, victoire incontestée de Yves Jourdan, deuxième René Lequeux de Vitry-le-François, troisième départ de l'Union Motocycliste de la Marne. À cette course, dans cette catégorie, Ange Marcandella de Sedan se classe sixième. Nous avions, comme dans toutes les épreuves organisées par l'UMA, le précieux concours des ambulances ardennaises de Charleville-Mézières. C'est maintenant la remise des bouquets. Nous avons sur la ligne Viam Lacave, départ, Yves Jourdan et Noël Lacave. Viam Lequeux, qui reçoit le traditionnel bouquet, l'article 12. Voici départ de l'UM Marne. Yves Jourdan de l'Union Motocycliste des Ardennes. Et Noël Lacave de l'UM Marne. Eh bien, le quatrième Grass Track de Rumigny est terminé. Organisateurs et coureurs se donnent rendez-vous maintenant à la mairie de Rumigny pour l'apéritif d'honneur qui est offert par la Maison Berger. Pierre Bouxin remet la coupe Slavia à Viam Lequeux. Maurice Laporte remet la coupe de la commune de Rumigny à Yves Jourdan, vainqueur des 175. Maître Beaufailly offre la coupe de l'Automobile Club Ardennais à Noël Lacave, vainqueur catégorie 250 junior. Et enfin, remise de la coupe du journal L'Union à Yves Jourdan, vainqueur des 250 seniors. Jetons maintenant un petit coup d'œil sur le calendrier 1969. Aux organisations de l'Union Motocycliste des Ardennes, nous lisons le 27 avril Grass Track à Vouziers, le 18 mai à Charleville-Mézières, le 1er juin à Rumigny, le 6 juillet, Motocross International des Remparts de Rocroi, avec épreuve du championnat de France inter-expert, et l'UMA terminera sa saison le 7 septembre à Margues-Saint-Valfroid,
avec son motocross extra-national.